commencé très jeune, à l'âge de 2 ans. On a toujours vécu entre Annecy et Courchevel. Très jeune, on avait la possibilité au club des sports de faire du ski de fond, du saut à ski et du ski alpin. J'avais choisi le ski alpin parce que c'est ce qui me procurait le plus de sensations et de plaisir. Ma copine était aussi dans le ski de haut niveau. Elle sait ce que je vis, elle sait ce que je dois faire pour m'entraîner, elle sait les sacrifices que j'ai à réaliser. À la base, c'était pas spécialement un objectif d'être polyvalent, c'est juste qu'au fil des années, j'ai réussi à avoir des résultats bons dans l'ensemble, dans différentes disciplines. Alors après, j'ai saisi l'opportunité de continuer de progresser dans chacune d'elles. Et maintenant, bah, ça me sourit, j'ai fait des podiums dans 4 disciplines différentes, même 5, ce qui est assez unique, je dirais. Maintenant, il faut continuer à travailler parce que les autres, ils vont pas m'attendre. Mon moment le plus fort, je pense que ce serait Val d'Isère. C'était ma première victoire en slalom devant le public français. Très important d'avoir un appui franc dès le début de l'action, je dirais, donc au début de la courbe, parce que c'est là où le principal du travail va se faire et derrière, une fois qu'on touche la porte, donc là comme maintenant, on libère et on essaye justement d'emmener la vitesse qu'on a créée avant la porte. Après, c'est aussi important d'être dissocié, donc toujours avoir le buste face à la pente et pas à regarder nos skis. Parce que ça va nous permettre d'être encore plus puissant et plus franc sur notre pied extérieur. Une fois qu'on a libéré le ski, donc après la porte, de ne pas se faire asseoir. Parce que ça peut nous faire commettre une faute et du coup, voire même nous faire sortir et ça peut être l'abandon. Le ski alpin, je dirais que c'est très technique étant donné que ça ne demande pas uniquement d'être bon en ski, il faut être bon physiquement. On a généralement des grosses cuisses parce que c'est elles qui nous supportent sur les skis, qui supportent les jets ou la pression qu'on peut avoir ou même la vitesse. Énormément de musculation dans notre préparation physique, c'est peut-être la chose la plus importante. Être dissocié, avoir de l'équilibre, on essaye de trouver différents sports qui peuvent répondre justement à ces attentes. On fait des appuis, des séances d'appui, des séances de cardio, de vélo, enfin voilà, il y a énormément de choses. C'est dur. Le mental, on se construit généralement au fil des années. Après, on peut aussi s'entraîner avec un préparateur mental pour justement qu'il puisse nous apporter certaines choses. Des doutes, il peut y en avoir, mais il faut essayer de rapidement les chasser parce que c'est jamais bon. Avec mon technicien, on se connaît très bien, on échange énormément pour essayer de développer justement tout le matériel. On va travailler sur qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur du ski pour le rendre plus ou moins nerveux, pour le rendre plus ou moins facile à tourner, que son rayon de course soit plus ou moins long et développer l'interface. L'interface, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui relie la chaussure au ski et c'est plus à proprement dit la plaque. Donc voilà, il y a tout ce package qui a développé et quand on arrive à trouver le plus performant, c'est là qu'on va vite. Chaque skieur a ses préférences. Moi, j'aime bien des skis plutôt exigeants, donc en gros plutôt nerveux, plutôt durs, parce qu'ils vont restituer plus de puissance. Je me suis bien préparé, je me sens bien, donc je pense être prêt pour l'hiver. Je penserai à mes proches. J'aurai la chance qu'ils soient là à l'arrivée et donc je pourrais partager ça avec eux. Je penserai bien entendu en même temps presque à mes coachs et à tout le staff qui est mis autour de nous. On passe presque 2/3 de l'année avec eux, ça devient aussi presque une famille.